I'm a bum like to get lucky. Oh, let it out, take it out, to my nose. Oh, cheer it out. Salut Internet, moi c'est KDFA ou Adja et vous regardez la revue de KDFA, l'épisode numéro 25. Épisode 25, je sais pas si vous vous rendez compte, truc de dingue. Écoutez, aujourd'hui, au sommaire de cet épisode, je vais vous parler musique aujourd'hui. Eh oui, musique, une fois n'est pas coutume, avec tout simplement le single de Daft Punk, eh ouais. Mais voilà, bien sûr, hein, Get Lucky qui vient de sortir pour annoncer un album très très bientôt. C'est juste, voilà, c'est un truc interplanétaire, tout le monde en parle, tout le monde, on l'a tous en tête, cet air là, Get Lucky. Et ben j'ai décidé de vous en parler, mais un petit peu à ma manière, n'est-ce pas, avec donc des parodies de Get Lucky. Il faut savoir que pour toutes les vidéos comme ça qui buzz à mort, juste le petit teaser d'une minute et quelques de ce clip de Daft Punk avec Pharrell Williams et Nile Rodgers, juste des pointures, hein, et bien juste ce teaser a tellement buzzé que le principe de toutes les vidéos qui buzzent, c'est que forcément c'est repris, c'est parodié. Et ça n'a pas loupé avec Daft Punk, donc c'est ce que je vous propose de voir ensemble avec une petite sélection de 5-6 vidéos. De ces parodies. Alors on va commencer tout de suite, on s'accroche, on branche le Walkman et c'est parti. Alors on commence tout de suite avec la première de ces parodies. Il s'agit de la version francisée de Get Lucky. C'est juste énormissime. Vous savez le truc que quand vous traduisez comme ça les paroles des chansons en anglais, c'est chaque fois, et c'est franchement à se plier de rire. Et ben là, il y a un type qui l'a fait. Et le titre, ça, je regarde mon prompteur, le titre s'appelle Être chanceux. Être chanceux. Ah oui. Donc on va écouter et regarder ça tout de suite. Comme la légende du phénix, nos fins étaient les débuts. Qui laisse la planète tourner, oh, la force depuis du début. Va trop loin pour lâcher qui on est. Donc, levons le bar et nos coupes vers les étoiles. Elle lève toute la nuit jusqu'au soleil. Je lève toute la nuit pour en avoir un peu. Elle lève toute la nuit pour un bon amusement. Je lève toute la nuit pour être chanceux. Elle lève toute la nuit jusqu'au soleil. Je lève toute la nuit pour en avoir un peu. Elle lève toute la nuit pour un bon amusement. Je lève toute la nuit pour être chanceux. On 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 lève toute la nuit pour être chanceux. Et voilà, hein? Vous avez vu? Vous avez entendu? C'est énorme! Être chanceux, nanana, être chanceux. Voilà, Get Lucky en français, ça donne être chanceux. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on va continuer avec une deuxième parodie. La deuxième parodie, il s'agit... là, on était en France. Maintenant, on va aller en Allemagne avec une version Hitler. Ouais, ça aussi, c'est un truc qui se fait pas mal. Quand Hitler se fâche, c'est quelque chose qui revient pas mal. C'est un petit peu borderline, mais c'est pas mal. C'est assez drôle aussi. Il s'agit donc de la version... La Hitler version de Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night.
master de montage. Il faut savoir bien bidouiller au niveau du montage vidéo, pas comme moi avec mes gros doigts, mais bon, ça va encore, ça envoie, je trouve. Hein. Donc on continue maintenant avec la troisième parodie, il s'agit... Alors celle-là, d'abord un big up à Amsu, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes, eh bien voilà, c'est la version Get Knack. Vous connaissez Get Lucky, ben voilà la version Get Knacky. Souvenez-vous de cette pub, comme ça, des knackis avec cette petite... Voilà, et ça c'est un petit clin d'œil à Amsu. Et bien voilà, ils ont fait le mash-up, ils ont mélangé les deux, et ça c'est assez drôle. Voilà, je vous propose de regarder ça tout de suite. What is this I'm feeling? Oui, mais il est 10h. If you wanna leave, I'm with it. Bon, hein, sympa cette version là, Get Knacky. Hein. En plus, c'est le truc, tu sais, ça, t'as du mal à te l'enlever de la tête. Ça, je suis persuadé que pour toute la journée, t'es fou, tu vas. Get Knacky. Mais tu m'avais dit des knackies, tu m'avais dit des knackies. Bref, donc voilà, ça c'était pour la version knacky. On continue. On lâche pas le morceau. Voilà encore une l'avant-dernière version que je vous ai trouvée de Get Lucky, hein, version parodiée. Donc, il s'agit de la shredded version. La shredded version, c'est quoi? C'est tout simplement, imaginez-vous, n'importe quelle chanson, n'importe quel clip d'ailleurs, sauf que c'est une version chantée faux. Voilà, avec imagine. Alors, il faut vraiment le voir, il faut l'écouter pour bien se rendre compte du truc, c'est juste énorme. Donc on regarde ça tout de suite. Parce que franchement, la version comme ça, voix pourrie, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai l'impression, tu sais, quand on est tous sous la douche, là, c'est pareil. Bon, on se reconnaît tous un petit peu là-dedans. Bon, maintenant, on va terminer avec la dernière petite parodie que je vous ai trouvée comme ça, que je vous ai dénichée sur l'internet. Eh bien, il s'agit. Alors, ça, c'est juste énorme. C'est Get Lucky en version compagnie créole. Alors, juste comme ça, je vous mets dans l'ambiance. Vous avez le clip, hein, avec, on les voit tous, là, machin. Et imaginez-vous derrière, la chanson, c'est bon pour le moral. Oui, c'est bon pour le moral. Eh ben, vous allez voir, c'est juste énorme. Énorme. On regarde ça. Pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'es doudou bien balancé, pour playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon.
avais dit que c'était énorme. Je vous avais dit énorme. Le moment où t'as Nile Rodgers qui se tourne comme ça, avec ses cheveux, c'est juste. Enfin, voilà. Bref, j'espère que cet épisode, l'épisode 25, vous a plu. On va terminer là-dessus. Hein, je vais vous laisser. Juste avant de vous laisser, ben, j'ai envie de vous dire n'oubliez pas d'aller sur mon compte Twitter, sur la page Facebook, sur Google+, sur mon blog kdfa.fr. Et puis n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vert, un petit commentaire, un petit tweet sympa, ça serait cool. Hein. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Puis si jamais vous avez d'autres idées comme ça de vidéos, n'hésitez pas, dites-le moi, je ferai mon mieux. Ok? Allez, salut à tous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! C'est bon, c'est bon, c'est bon, bon.